C'est avec beaucoup de convivialité autour d'un repas que s'est déroulée cette première rencontre officielle du comité Jean-Marie Kassamba, qui se montre conscient de ses responsabilités, celle de relever les défis de la presse quinoise. JMK, comme on aime l'appeler, a rappelé à son équipe que le comité Kassamba n'est pas élu pour sa propre gloire, plutôt pour servir, aider, protéger et permettre aux journalistes quinois à bien faire leur travail en toute dignité et protection. Nous avons d'abord fait cette première réunion pour nous connaître. D'abord fixer les visages, mais également déterminer les missions de chaque membre de notre commission. En même temps que nos responsabilités doivent être assumées en respectant les textes, nous avons également affiché nos ambitions. Nos ambitions de faire de la presse de Kinshasa une presse exemplaire qui doit impulser l'ensemble de la presse à travers la République. Et aujourd'hui, au nom de notre comité de Kinshasa, je peux vous dire que nous sommes déterminés à assainir la presse de Kinshasa. La commission de discipline va jouer un rôle majeur. Au cours de la réunion, le président de l'UNPC Kinshasa est revenu sur la bonne gestion des finances qui doit se faire dans la transparence absolue. Jean-Marie Kassamba n'a pas manqué de féliciter le travail qu'abat son comité, juste un mois après leur installation, tout en affirmant que l'unité est de mise. Un comité uni dont je félicite chacun des membres. Vous avez vu que nous avons un secrétaire sectionnaire qui est tellement efficace que la partie administrative du travail est quasi vraiment, ça roule déjà à un mois. Nous n'avons qu'un mois ici à Kinshasa. Et puis le vice-président l'a dit, lorsque vous avez un leader, le leader ne sera efficace que lorsque vous avez une équipe qui est opérationnelle. Et je pense que je compte sur cette équipe qui est constituée que des professionnels. Et nous allons donner l'exemple à l'ensemble de la République que l'UNPC Kinshasa, c'est le moteur, c'est l'exemple, c'est la vitrine. Pour la hiérarchisation de la commission des disciplines, le président Jean-Marie Kassamba, en tant que démocrate, a préféré laisser le libre arbitre à la commission de gérer ses dossiers le concernant. S'il faut s'en tenir à la quintessence des mesures et résolutions de cette première réunion de l'UNPC Kinshasa, l'on peut s'attendre à un avenir radieux pour le journaliste de Kinshasa.